On y retourne, on y retourne. Salut YouTube! On va réparer la base. J'ai bien ragé sur l'autre con de chasseur là. L'escalier, c'est pas la priorité. On prend le marteau, on a des clous sur nous normalement. On a du bois. 58, c'est pas ouf. Je voulais faire. Attendez alors avant. Avant. Alors déjà cuire. Donc je me demande si jamais quand on lance la cuisson, ça relance le cycle de péremption des aliments. À ce compte-là, vaut mieux que j'attende le plus longtemps possible avant de cuire. Oh, j'ai plus mon poisson! Donc en facile, on est censé rien perdre à part le gun, la première mort. Mais j'ai plus le poisson, il l'a bouffé le chasseur. J'avais deux poissons dorés. Donc on perd quand même des choses alors. Le poisson a pourri. Ah super. D'accord. Putain. Chier. Bon, on se fait cuire la viande. On mangera ça, mais pas maintenant. On pourrait le manger maintenant, mais pour l'instant, ça apporte que de la prot, fruits et légumes. Ça diminue la faim et ça déshydrate un peu, mais quand il sera bien cuit, il va aussi amener du bien-être, ce que j'appelle du bien-être. Et il faut qu'on soit plus infecté en fait pour en profiter. Donc je rappelle que c'est ce qui fait monter les niveaux en gros. Donc il me faut les toniques médicinaux, il me faut les varèches qui sont là. Faudra que j'aille en rechercher pour faire un deuxième. Et le foie. Hop, antidote, bam. On surveille la cuisson. Parce que là, en fait, j'ai aucune progression au niveau des XP qui sont censés être là. Et là, c'est à zéro. Et je trouve aussi que quand on est infecté, les XP ne devraient pas redescendre. Que ça redescende quand on prend des dégâts, d'accord, mais quand on est infecté, c'est chiant. C'est super long. C'est super long. Je vais prendre mon premier level au bout de 10 heures de jeu. C'est ouf. Ah, vous voyez là, c'est prêt. Santé max et endurance max plus 0,07 et 0,6. Si jamais je les consomme maintenant, bah les 0,07 et 0,6 ils seront perdus. Alors que voilà, hop, j'ai plus l'infection. Maintenant je peux les manger. Et hop, j'ai la barre d'XP qui monte juste là. Hop, ça monte encore. Et ça montera quand je pourrai manger. Donc tonique médicinaux, j'en ai plus besoin. Non, là. Les varèches ici. Le tissu. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Bon, on verra bien. Pareil, corde, je range. Ça, on va le mettre dans le poêle. Les ferrailles, les clous, j'en ai besoin pour réparer la baraque. Les balles. Ici. Et donc j'ai bien perdu le flingue, hein, il est pas là. Gourde. Ah, attendez, je vais mettre ça là. La gourde, je vais la mettre là pour penser à aller la remplir parce que j'ai plus d'eau. Les plumes. Ça doit être cuit. Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ranger? La viande avariée, que je sais toujours pas à quoi elle sert. Je vais manger peut-être un peu les carottes et les tomates pour remonter là. Ça peut être cuit. Oui. Ça serait dommage que ça soit trop cuit. La graisse ici. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié des trucs. Non, c'est bon. Ça sert à rien, mais je vais le garder pour plus tard. Je le détruirai, je vais le foutre là, comme ça je le verrai. Il me faut. Non, ça j'en ai. Là, les balles là, pour l'instant j'ai pas l'arme. Est-ce que je peux refaire des cartouches de pompe? Non.
Je sais pas ce que j'oublie, mais j'oublie quelque chose. Ouais, bon, tant pis. Ouais, puis je ferai un allume-feu en fait, hein. Ça me fait chier de bouffer du bois. Donc les plantes. Ah, oh, y a plus d'eau, y a plus d'engrais. Et ce qui est très con, c'est que... Regardez, ça 0% l'eau, il pleut. Et ça hydrate pas les plantes. C'est un peu con, ça faudrait qu'il rajoute ça le développeur. On ira chercher de l'eau après. Mon marteau. Merde. Ah, il faut pas les mêmes ressources. Vas-y, prends de tout. Il faut des tissus aussi, je crois. Hop. Il faut des planches. Là, il faut que du bois. Ok. Ah, le générateur, il a plus cher. Hein. Le plancher, non, il est neuf. Le mur. Le plafond. Il est à fond. La porte. Maintenez R pour améliorer avec deux alliages. Ah, je vais le faire pour voir ce que ça fait. J'en avais de l'alliage. Putain, je l'ai perdu. J'en avais récupéré une plaque d'alliage. Donc le boîtier. Voilà. Coffre, c'est bon. Le poêle, c'est bon. Ça, c'est bon. L'établi. Ok, ensuite, l'escalier. Comment je fais? Voilà. Ok, maintenant on va se refaire un mur. Et il va me refalloir des planches, je crois. Oh, mais t'es sérieux? J'achète des réapparitions. Comme ça, je réapparaîtrai sur le lit. Y'avait que lui? Ah, j'ai froid, mais c'est pas le moment de... Putain, y'avait que lui. Stylé. Ah, oh, faut arrêter les conneries, ils vont pas m'attaquer tous les soirs non plus. Merde! Ouah, c'est un truc de ouf. Ouais, je vais le prendre, sans ça que je vais le prendre. C'est un truc de ouf quand même. Allez, je vais prendre son sac. C'est pas ça? Là. Ouais. Oh, c'est ouf. Les pommes de terre, on peut faire des graines, on peut les transformer en graines, ah ouais? Extraire graines. Ah ouais, bien. Ah bah mais si avec une pomme de terre, je fais une graine de pomme de terre, ça sert à rien. Si je pouvais faire deux graines avec une patate, pour refaire deux patates, oui. Regarde, extraire une graine, extraire trois graines. Ouais bah non, c'est naze. J'ai transformé une graine de pomme de terre en une graine de pomme de terre. Il y a qu'une patate qui pousse, hein, avec une graine, il me semble.
Toi, la pluie hydrate le bac. C'est pas bien. Mon bac est peut-être pas bien positionné. Ah oui, si, ça hydrate un peu. C'est quoi? Je vais le décaler un peu. Ça se trouve, la pluie passe pas bien. Ma barre d'XP est en train de descendre avec les dégâts que je prends, mais bon. Tant pis. Hein. Voilà. Ça repoussera. Faudra que je l'améliore aussi pour avoir un meilleur rendement au niveau de la. Avec un meilleur éclairage et tout ça. Une graine de pomme de terre donne 3 patates, hein, t'es sûr? Hop. Max de graines. Hein. Ah le poil. Ah non. Kit de démarrage. Ok. Un bâton. Et voilà. XP est reparti à zéro. C'est un truc de ouf. Ah la vache. La cendre. La bouffe. J'en ai plus besoin. Les clous, j'en ai plus besoin. J'en garde un peu sur moi, il y en a besoin pour faire des balles. Ça, si je trouve plus de douille ou plus de poudre pour les balles de pompe. La ferraille, j'en ai plus besoin. Les planches, je vais en avoir besoin après. Les balles là, j'ai pas d'armes qui vont dedans. Ça, hop. Ok. Il me faudrait des lignes de pêche. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, des crevettes, ouais, je vais en faire 9, 1, 2, je vais en avoir combien des cordes là? On va faire au fur et à mesure. Le frigo, ça va améliorer ma vie à fond. Ah mais il y avait aussi un autre truc que je devais faire le. Après il y a trop de trucs à faire. Mais ouais, le frigo, ça me permettrait de garder la nourriture plutôt que ce qu'elle pourrit à chaque fois. Ah, puis pareil, j'aimerais bien le t-shirt pour pouvoir farmer pendant la nuit à proximité en fait. C'était quoi que je voulais faire tout à l'heure? J'avais fait l'établi. La raffinerie. Pour transformer le minerai brut en éclat. Il me la faut. Et il me manque. Oh, il me manque que l'énergie. On démarre le générateur pour avoir de l'énergie. Hein. Allez, Magne. Ah, c'est super long, rien que pour faire de la corde. Hop. Comment avoir des tondons? Les tondons, faut les. Moi je les ai récupérés sur le puma. En tuant un puma, j'ai récupéré 3 tondons.
Mais la corde, y a pas besoin de tendons pour faire de la corde, hein. La corde, c'est de la fibre, hein. Les fibres, on les trouve un peu partout. Surtout au niveau des points d'eau. Aux alentours des points d'eau, y a pas mal de fibres. Ligne de pêche. Clac, clac. Ouais, bah c'est bon, ce sera suffisant. Allez, hop. Et donc mon mur, mais je pourrais pas le faire, j'ai pas assez de planches, je crois. Ah ouais, non, il me manque encore un peu de bois. Ah, il me manque encore un peu de bois. Ouais, je peux pas sortir. Ah, le froid, c'est un truc de fou, j'aurais dû me foutre dans un biome où... Est-ce qu'il y a un biome où la nuit, il fait pas... Ouais, je crois pas. Hein. Partout où on est, la nuit, il fait 5 degrés ou moins. Et le puma, il est que dans le biome neige. D'accord. Les cordages, c'est la fibre, mais la corde, c'est les tendons. Ah, il y a corde et cordage? Ah ouais? Cordage. Ah oui, corde. Ah oui, bien vu. Ah oui, bien vu. J'avais pas vu. Brique de carburant. J'avais pas capté non plus les briques de carburant. Fuel. Avec 10 fibres? Remplira n'importe quelle jauge de carburant au max, t'es sérieux? Putain, mais je savais pas! Genre, je fous ça et boum! Ah, ça m'étonne. Non, c'est plutôt le carburant de ça. Ah, bah ouais, si je pouvais éviter d'utiliser du bois. Non, c'est le carburant pour brûler le bois, c'est de la fibre. Je vois pas comment on pourrait faire tourner un générateur avec de la fibre. C'est ça, on est d'accord, hein? Ce sera utile, quoi qu'il en soit. La fibre, j'en récupère assez souvent. Je vais mettre ça là. Et je remplirai avec des briques de... C'est pour le poêle, d'accord. Ouais, bah ça, parce que le bois, j'en ai marre. Le bois, ça me consomme... du bois pour le poêle et je préfère le garder pour me faire des planches et avancer un peu sur la base parce que putain la vache la lenteur du truc voilà hop allons chercher du bois là on peut normalement 4 degrés ça va ou pas ah je crois pas je crois qu'il va geler à 4 degrés. Non? Non, on dirait pas. Cool. Il me semblait qu'il gelait à 4 degrés. Bizarre. Bizarre. 5 degrés, c'est bon. Je peux descendre jusqu'à 2 degrés, t'es sûr? Parce qu'il me semble que moi, que le bonhomme, moi, il gelait à... Merde. Il me semble que le bonhomme, il gelait à partir de 5 degrés ou en dessous de 5. Bah 2, ce serait mieux. Je vais absolument remplir les gourdes. Même 1 degré? Non, non, pas 1 degré, c'est sûr que non. Même 1 degré, ça me semble bizarre. Il est torse nu quand même, le mec, hein. Après, ça dépend de l'équipement qu'on a sur soi. Moi, j'ai rien, j'ai pas d'équipement encore. Hein. J'ai pas trouvé de t-shirt ou quoi que ce soit. Et il me manque encore les deux cotons qui mettent 3 plombes à pousser. Les 6 cotons qui mettent 3 plombes à pousser pour me faire ce qu'il faut. Si les chasseurs me laissent tranquille,
quelques jours. Je pourrais avancer. Il est où le chien? Allez. Allez en dessous. Bah alors mon con, on est bloqué? Putain! Il m'énerve! Voilà. J'ai pas beaucoup de balles, je peux pas me permettre de le rater. Hein. Faut que je me refasse des flèches. Les chasseurs autour de toi ont déjà des grosses vestes. Ah moi ils sont en t-shirt je crois. Mais déjà avec ça, déjà tu sens qu'ils ont une résistance vachement élevée par rapport à toi, c'est super chiant. J'ai zappé mes gros arbres, bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pas envie de farmer que le bois, mais bon. Je vais essayer de trouver des caisses aussi, ce serait bien. Myrtille, nickel. Je vais les becter direct. Non mais t'es sérieux, y'a encore un mec. Ça me casse les couilles. Putain. Ah c'est un truc de ouf quand même. Ils reviennent vachement souvent. Putain, puis ils me donnent de la merde. Des trucs qui pour l'instant ne me servent à rien en tout cas. Ah, quelle misère ce jeu. C'est vachement répétitif quand même les spawns là de chasseurs. Hein. Celui-là je l'ai tué il y a 30 minutes. C'était la journée d'avant dans le jeu en fait. Il devrait mettre plusieurs jours quand même avant de se repointer. Alors là, je sais que la plateforme là, il y en avait un, je l'ai déjà tué. Mais est-ce qu'il est pas revenu?
C'est très bizarre, il y a un boîtier de commande et un mur. Ça y était pas. Hein. Putain. Mais c'est un truc de ouf en fait. Ils vivent leur vie comme nous en fait. Genre ils viennent, ils foutent leur mur, ils mettent le boîtier de commande, ils lancent des trucs. Ouais l'eau, c'est vrai, ouais j'ai oublié. Ouais. Je savais que j'oubliais quelque chose en plus. Putain mais c'est un truc de fou, bah c'est bien fait hein, pour le coup. J'ai l'impression de jouer avec des joueurs. Bon ils se comportent pas comme des joueurs mais ils agissent comme des joueurs. C'est très bizarre. J'avais de la bouffe cuite, non? Oui, il a. Nickel. Bâton. Quoi? Ah oui. Voilà. Ouais, j'ai plus de flèches. J'en avais une paire par un moment. Mais bon. Ouais, l'ours, on oublie. Hein. Le gros arbre là-haut. Pour ceux qui jouent aussi au jeu de leur côté, vous avez mis combien d'heures pour avoir une vraie grosse base? Pas un petit truc comme moi tout pourri. Un truc vraiment sympa, beau, protégé. À peu près. Parce que là, je me demande s'il faut plus ou moins de 100 heures pour avoir un truc décent. J'ai vraiment l'impression de pas avancer au niveau de la construction de ma base. Je me fais pas chier en même temps, hein, donc tant que je me fais pas chier, ça va, mais... Mais j'ai l'impression que je... J'ai pas l'impression de glander et en même temps j'ai l'impression que... Ouais, que je mets trois plombes pour avancer. Pourtant j'amasse des matériaux, je farm un petit peu. Il va commencer à avoir de plus en plus soif. Vas-y arrête-toi. J'ai besoin de flèches, merde! Ah! Oh. Ah oui, putain, à chaque fois j'oublie. Bon, faut que j'aille purifier mon eau, hein, sinon il va. Il va se déshydrater le bonhomme. Je trace. Toi t'es PGM, en 5 heures environ t'as une bonne base. Les PGM farment plus vite que les autres. Ah je peux pas faire que de couper les arbres pendant une heure, si je fais ça ça va être super chiant non? Bon, je l'ai un peu fait hein, quand j'ai recommencé la nouvelle partie, j'étais pas en live et j'enregistrais pas parce que ouais, j'avais pas trop le temps donc du coup je faisais ça en même temps que je faisais autre chose. Ça m'a pas dérangé hein. Je me mettais contre des arbres et puis je restais cliqué sur un arbre avec une main et de l'autre j'étais sur l'autre PC à faire autre chose. Mais je peux pas faire ça en live, ça va vous saouler, vous allez vous endormir. Que ce soit en live ou en vidéo, c'est pareil, c'est super chiant à regarder, c'est inintéressant possible. Salut Odiman, bienvenue. Et même en faisant ça, ça peut être... Parce que tout ne dépend pas que du bois, donc même en faisant ça, ça va être super long quand même. J'aime bien chasser les petites poules, les petits lapins. Voir les chasseurs me courir après pendant 30 minutes, me tuer à répétition.
pour l'instant, je perds pas de santé par rapport à l'hydratation. Ouais, elle est basse, mais elle est pas encore catastrophique. Tu connais toutes les astuces pour progresser plus vite? Bah donne-moi les au lieu de me regarder galérer. Sera mieux pour tout le monde. J'ai de la bouffe ou pas? J'en ai assez de la bouffe. Je vais quand même le tuer parce qu'ils me font chier. Quoique. Attendez. J'ai combien de flèches? C'est un 6. Ouais, c'est suffisant. Merci. Ah, qu'est-ce que ça, que saloperie. Ça fait 4 heures que tu y joues et t'as pas croisé un seul chasseur. T'inquiète, ça va arriver. T'inquiète. Ah non, les premières heures, tu les croises pas et tant mieux. Et si tu les croises, évite-les. Un conseil, évite-les. Après, tu vas te faire harceler. Enfin, en tout cas, moi, je me suis fait harceler tout à l'heure. Hein. Je suis mort d'un chasseur, j'ai récupéré mon sac, je me suis frité avec un loup, je l'ai tué, un chasseur est arrivé dans mon dos, m'a tué. Plus ils ont attaqué deux fois ma base en 30 minutes, alors que je les avais pas croisés, j'avais pas de soucis avec eux pendant 4-5 heures. 4, 5, 6 heures de jeu. Ah, faut pas être pressé hein, pour les chasseurs. Hein. Donc ils vous font pas chier, tant mieux. Tonique médicinaux. Hop. Ça en fait, faut que je le garde dans le coffre à ressources. Tonique médicinale sera pour plus tard. Voilà. Parce que là il me manque encore deux huiles. Une huile. Ouais, le carburant. Il n'y en a peut-être pas besoin dans le générateur. On va faire cuire la bouffe. Je vais ranger ça. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais ça servira par la suite. Ça, on range. On range un peu de clous. Hop. Allez, oui. 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 Cool. On est à où ça? 1000. Il tourne toujours le bordel ou pas? Pourquoi il tourne? Mais pourquoi il tourne ce con? Putain! Putain, il tourne dans... Mais je croyais que ça s'arrêtait quand c'était à fond l'énergie, c'est naze! Il était à 1000, il tournait encore ce con! Je pensais qu'il y avait un système d'arrêt automatique, il me bouffait de l'essence du coup! Je mangerai le foie après. Ah l'eau! Qu'il est con. En tout cas, long ou pas long, le jeu il est vachement addictif, c'est un truc de malade. J'aurais pas pensé à accrocher autant sur un truc qui dépend beaucoup, autant du farm en fait.
Je suis pas complètement contre le farm, mais il y a pas mal de jeux sur lesquels le farm me saoule royalement. Et un jeu qui dépend beaucoup du farm comme là sur comme là celui-là. Enfin, farm et loot aussi, il y a quand même beaucoup de loot quand même. Est-ce qu'il y a besoin d'arroser les plantes? Oui. Mon hydratation peut attendre. Les plantes, pas. Je vais mettre les sang. Je vais aller chercher de l'eau en vitesse. Peut-être aussi que je fasse des allers-retours comme ça de temps en temps. Je les ai mis les cendres? Putain, j'ai même pas fait gaffe. D'accord. Chercher de l'eau en vitesse. Juste je ramasse les petites fibres qui traînent, les petites plantes, mais faut que je remplisse le bonhomme et que je remplisse la le mon pot de fleurs. Ah, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pas vu où on était le poêle à bois. Ah. Mais j'attendrai qu'il soit quasiment vide pour mettre une brique de carburant. Ah, c'était quoi? Même en 400 heures, tu tournes jamais en rond. Oui, bah après quand on accroche. Ceux qui accrochent pas, ils trouvent ça très répétitif et chiant. C'est comme tout, hein. C'est comme comme ceux qui vont trouver les jeux multijoueurs répétitifs. Ouais, bah y a une répétitivité dans tous les jeux en même temps. Même dans celui-là, hein, mais si on accroche, on s'en lasse pas, on se fait pas chier. Ah, je l'attaque pas. Il est assis là, il est en train de faire caca, je crois. Je le laisse. C'est bon, j'ai assez de merde là comme ça avec les avec tous les chasseurs. Je le one-shot très bien quand même. Hein. Regardez, en plus, il a une belle base. Le truc c'est que si je le one shot pas, lui il va me faire mal. Si je le one shot, va-t-il se venger? Que je refasse des gourdes en plus, ouais, ce serait pas con, mais j'espérais en fait pouvoir faire un saut ou je sais pas, quelque chose qui contienne plus. Mais peut-être qu'on peut pas, si on peut pas... Hop, putain de merde, mais t'es sérieux? Ta gueule. Vas-y, fous-moi le camp. Je pensais qu'il me verrait pas, ce con. Clic droit sur pour remplir les gourdes dans l'inventaire. Pas besoin de la mettre sur la ceinture. D'accord, merci. Je vais regarder. Hop. Ça. Hop. Je vais regarder, mais putain, j'ai eu peur. Non, alors est-ce qu'il y a que la cantine d'eau pour est-ce qu'il y a que la cantine d'eau pour transporter de l'eau? Salut d'autres, bienvenue. Merci pour le tuyau. J'ai vu le com sans voir le nom en fait.
peux presque. Je vais arrêter ça là. Faut que ça remonte un peu, il me faut la raffinerie. Tu peux loot des bouteilles, mais c'est à visage unique. Ouais, donc il faut que je refasse. Ouais, en plus ça consomme rien en ferraille. Allez. Vous savez quoi? Je vais refaire quelques cordages. Et on va se refaire des gourdes. D'ailleurs, je vais retourner les remplir direct. Pendant que ça fait les cordages, je vais récupérer du bois aussi. T'as des extracteurs qui permettent de récupérer de l'eau du sol. Ouais, mais tu cheats aussi, non? Un petit peu. T'as fait un système de cheat qui permet d'avoir de l'eau facilement, en fait, c'est ça. Huez-le. Il triche. Pendant que moi je galère, lui il galère pas, donc huez-le. Merci. Donc genre... Ah oui, remplir. Ah oui, genre je fais E en fait et ça remplit. Mais oui, c'est quand même bien. Regardez, je vais faire un système comme ça. Genre je mets 5 gourdes là et continuellement je les remplis. Ouais. Ouais. Par contre, il me manque une gourde là. Je l'ai laissé dans le feu là-haut. Putain, mais qu'il est con. La foreuse permet d'extraire l'eau du sol. D'accord. Mais je l'ai vu en plus, la foreuse. Je me rappelais plus qu'il y avait ça. Donc ne le huez pas en fait, il triche pas. Tout coin de fée. Bon, après ça me dérange pas plus que ça de faire les allers-retours. Allez, encore un aller-retour et c'est bon. Allez, vas-y. Chauffe, j'ai soif. Allez, s'il te plaît. On va bouffer, hein. Le foie, bien-être. Hop. Voilà. Ça. Hop. La brique. Oui. J'ai pas besoin de refaire un allume-feu. C'est stylé ça. Ça, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, j'aime bien. J'en referai. Vite. Avant qu'il fasse nuit. Ouh. Ah, il y a de l'organisation à faire aussi, hein. Pour avoir des réserves d'eau et tout ça. Il reste encore une à récupérer. Pendant ce temps-là, on va pêcher. Clou ? Clou ? Pourquoi il y a marqué clou ? C'est un petit bug. Petit bug d'affichage. Et ça, c'est stylé. On peut gérer l'inventaire pendant qu'on pêche.
Salut Panzer, bienvenue. L'eau pure remplit mieux les plantes. Oui, sans la faire bouillir. Ah oui, ça remplit plus, tu crois? De toute façon, c'est complètement con de faire bouillir l'eau pour remplir les plantes, hein, mais instinctivement, je fais bouillir l'eau des fois et après, je la prends pour les plantes. Ouais, je sais qu'il n'y a pas besoin de la filtrer, je sais. Mais en fait, c'est le réflexe que j'ai quand j'arrive dans la baraque, je mets l'eau à bouillir. Allez! Mais ils dorment la nuit les poissons en fait, comment ça se passe? Genre la journée ils bouffent et la nuit ils dorment? Pas obligé mais ça remplit genre 40% au lieu de 30. Le fait de ne pas nettoyer l'eau? Oh la vache! Putain! Vite, allez! Ah, j'ai froid! J'avais oublié! Et voilà, ma précieuse XP qui va redescendre. Ah putain! Ta gueule! Fous-moi la paix! Vas-y, prends du chaud. Voilà. Ok. Hop, hop. On remet tout ça là. Pour quand on y retournera. Les crevettes. J'en ai pas besoin. Les feuilles. Ici. Ça, ici. Je sais, j'aurais bien aimé récupérer un poisson pour pouvoir pouvoir refaire de l'huile et me refaire un remède. Comme ça, si je me fais infecter, je pourrais me soigner direct et pas attendre 3 plombes. Combien que j'ai de bois? 36. Je peux me faire quelques planches. Pouvoir me faire enfin mon mur. Donc le mur. Ah, il me manque juste cordage. Bon bah cordage. C'est super long d'attendre ça que ça se fasse. Quand t'as galéré à farmer, t'as qu'une envie, c'est que c'est d'avoir les trucs tout de suite en fait. Ici c'est remonté, oui, nickel. Donc la raffinerie. Enfin, il me refaut 2 planches, 12 composants électriques. Composants électriques. Hop. Vas-y. Et ça construit. Ça a pas fini de bouffer du carburant tout ça. Hein. Ma flotte. Ah, c'est un sacré bordel. Pas le temps de mettre des murs. Priorité à l'espace, après on élargira la base. Donc, qu'est-ce que c'est que ce machin? Genre, je prends ça, je fais ça. Ah, et ça va me faire les pépites? Alors, en priorité, la pierre. Le fer.
Il me manquait 5 fragments de pierre, de fer. Bon, je remets ça là. C'est bien du fer, hein. Minerai de fer, j'allume. Ah ouais, c'est au laser carrément. Ah regardez, on voit le laser et tout, stylé. Genre il va effriter le truc. Et si j'améliore, évidemment, fragments de cuivre et fragments de fer permettront d'améliorer pour augmenter le rendement. Permet un emplacement supplémentaire. Ah oui, cool. Et encore un troisième emplacement, d'accord. Mais ça consomme 0,50 par seconde, ça va. Ah, quoique non, c'est énorme 0,5 en fait. Parce que je produis combien là? Je produis que 1. Que je pense à faire un marteau, mon sol il est abîmé ou ça? Ah oui. J'en ai déjà un de marteau. Je l'ai fait tout à l'heure quand je me suis fait raid. Merci, j'avais pas vu. Oui, c'est ça, nickel. Par contre, l'énergie va fondre de ouf. On est toujours à plus 4, hein. Plus 0,4, hein. Et encore, après on consommera un peu moins. Quand la masse sera remplie, je pourrai éteindre le bordel derrière. Donc, raffinerie, c'est bon. Il faudra donc aussi le réfrigérateur. Ah, le réfrigérateur, il faudra 1200 d'énergie. Donc il faudra un nouveau stockage d'énergie. Putain. Bon, et mon mur. Ah, il me manque encore une... Ah, c'est un truc de ouf. Fais-moi mon mur. On va continuer encore hein, sur subsistance. Je peux pas déscotcher. En plus demain je pourrais pas live, c'est certain et tout. Ça va me manquer d'ici mardi ou mercredi. Que j'allume. Que j'allume quoi? Je l'ai allumé le bordel. Ça là? Oui, je l'ai allumé. Voilà donc. Le réfrigérateur. Ah non. Le stockage. Ah ouais, mais il me manque encore 7... putain, il me manque 7 de masse. C'était le mur que je voulais faire de toute façon avant ça. Mur avec une fenêtre. Ah mais la fenêtre, elle va être placée... Ouais, non, je vais pas de fenêtre. La fenêtre elle va être placée à moitié sur le boîtier ou sur la sortie de cheminée là, je sais pas quoi. Combien? 96. Mon mur. Mur s'il vous plaît. Merci. Je vais le mettre depuis l'extérieur. Voilà. Enfin je retrouve ma base. Que je vais me faire raid, ça se trouve dans 10 minutes, mais bon. Là où ça en est, de l'engrais. Oh, chier. Sans engrais, les plantes ne poussent pas, ou elles poussent, mais moins vite. Parce qu'au final, autant par un moment j'en avais de trop, autant là l'engrais, mais ça part à une vitesse, c'est ouf. Et pourtant ça pousse pas très vite, hein. Hier tu voulais arrêter à 2h du matin et 2h plus tard tu y étais encore. Ah non, il est super addictif, c'est un truc de ouf. J'ai vu qu'il y avait du matériau là-haut. Enfin, du matériau, du minerai plutôt. Ah oui, 2 degrés, je commence à prendre des dégâts, putain. Vas-y, vite, 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 vite! Qu'est-ce que je galère? Bon. On
se casse, hein. Pas le choix. Pas une petite fibre à prendre, un petit truc. Ah, j'ai hâte de récupérer le coton. Je vais peut-être me faire un deuxième bac aussi pour avoir des fruits et légumes. Fruits et légumes parce que ça descend, j'ai l'impression. Enfin, ça descend vite parce qu'en fait, je mange plus de viande. Je mange trop de viande. Hop, encore un peu de viande. C'est plus facile à avoir, je trouve, la viande. Ah oui, mais c'est là-dedans le bac. Ah ouais, ça va encore me rebouffer ça. Ah bien, je peux avoir le frigo. Non, le stockage d'énergie. Le stockage d'énergie, 500, je les ai. Ah, il me manque des planches. Foutu planches. Eh ben, j'en aurais pas assez. J'en ai pas qui traînent là-dedans. Bah, évidemment que non. Oh, rien à foutre des niveaux, ça me saoule. Bah. Ah, mais je suis sorti trop tôt en fait. Je pensais que j'étais sorti. D'accord. J'ai rien compris. Je pensais que j'allais reprendre des dégâts de froid là. Vérifier quand même au cas où. Bon. Putain de taras. Ah merde. Je devrais toujours avoir ça sur moi, toujours. Merde. J'en ai fait une paire, hein, comme ça. J'ai ça aussi que je bouffe jamais. Il est où? Ouais, il s'est barré depuis le temps. J'aurai sa peau. Hein. J'aurai sa peau. Hop là. Saleté. Crève. Oh la vache. J'ai pas le choix que de bouffer de la viande. Il m'attaque, c'est con. Saloperie. Petite raclure de chiottes. Des kits de soins qui régénèrent quasiment toute la santé. Ah ouais, c'est bon ça. Mais j'y ai pas accès à ça pour... Ah si, c'est là, trousse de soins. Ouais, non, mais les bandages, c'est moins cher. La santé remonte tant que j'ai à bouffer, donc... bon. De toute façon, comme je prendrai jamais de level sur ce jeu, ma santé dépassera jamais les 90, hein.
Je me suis fait de toute façon, c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est pas grave, tant pis pour les niveaux. Quelqu'un m'a dit ça l'autre coup. Dans le chat. Tu t'en fous des niveaux, t'en occupes pas. Ouais bah je comprends pourquoi en fait. Lui aussi il a perdu tout espoir de prendre un level un jour sur ce jeu. De toute façon, le jeu il sera toujours aussi difficile, même avec des niveaux en plus. Alors, ces bestioles nous feront toujours autant galérer. Il y avait une caisse à droite, non? Oui. Le pessimisme. Bah oui, mais c'est. Tout le monde est pessimiste sur ce jeu. C'est pas du pessimisme en fait. Arrive un moment, tu te rends à l'évidence que c'est foutu quoi. Ton personnage n'évoluera jamais. Tant qu'il vit, c'est déjà ça. Faut pas espérer qu'il vive bien. Tant qu'il vivote, ça va. Il bouffe un bout de barbac de temps en temps, une carotte. Bon bah voilà quoi, c'est déjà ça. Faut se satisfaire de. Ce qu'on a, parce que de toute façon on n'arrivera pas à avoir beaucoup mieux. Hop, ouais, je cours en biais, c'est parce que j'espère trouver une caisse en fait sur un côté à voir. Que dalle, que dalle, que dalle, il y a que dalle, c'est des ramiers. Pendu avec un boyau de loup autour du cou, ouais. Ah, mon personnage, comme il crève la dalle, il le bouffera le boyau. Cru, hein, il s'en fout. Est-ce que je peux récupérer un peu d'engrais là, au niveau des cendres? J'irai pas. Voilà. Ouais, vas-y, cuis le loup. Nickel. Ouais, avec tout ça, je me rappelle plus ce qu'il me fallait pour le t-shirt. Je vais regarder, mais bon. Je crois pas. Ah non, bah oui, c'est la corde. Ah, mais j'ai les tendons! Et les... alors c'était ça qui me manquait, les tissus rembourrés, je galérais à les faire, non? Mais oui, le coton, putain, toujours ce foutu coton, hein. Ouais, je vais lâcher l'affaire avec le t-shirt robuste. Je vais me faire le t-shirt moyen, hein, c'est déjà ça. Ah, ça bouffe quand même 10 tissus, hein. Et je les ai pas. Bon, je vais faire le t-shirt d'été, en fait, aussi. Ça peut être bien. Bah, même pas, je peux même pas. Ouais, je peux rien faire. Un pantalon. Fournit de la chaleur et augmente la... contre les dégâts, d'accord. Ça. Ok, le gilet de combat. Je peux faire les bottes hein, à la limite. Je vais faire. C'est bien aussi les bottes. Je pense. Ouais, je pense que c'est bien aussi les bottes. Je vais faire les bottes. Au moins j'aurai un peu de chaleur. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fallait? Des cordages, non? Cordage 4. On est là. Voilà. Ah, et les tendons. Non. Je les ai perdus quand je suis mort, les tendons. Ah non, ils sont là. Putain. Regardez, on va avoir des bottes. C'est bien. Des bottes.
Ça sert pour la cuisine. Ah oui, ça sert aussi pour la cuisine. Donc je les laisse là. Ah, de la cendre! Putain, je me rappelle plus que je l'avais mis là. Regardez, j'ai des bottes! Plus 1 de chaleur. Oh, c'est naze. Il a les bottes, mais il a pas les chaussettes, ce con. Un degré, c'est juste. Et il peut être en caleçon? D'accord, il peut être en caleçon. Ok. Ah, et le pantalon ne réchauffe pas en fait. Fournit de la chaleur et augmente la protection contre les dégâts. Mon cul, la chaleur, c'est marqué plus 0 degré. Merci. Je suis plus pieds nus. Et ça, c'est déjà quelque chose. C'est une évolution, hein, quelque part. Et j'ai bientôt du coton. Bon ben voilà. Voilà. On va faire une toute petite pause. Parce que faut que j'aille moi aussi arroser les plantes. Mais on va continuer sur le jeu. On va continuer, on va aller chercher de l'eau, on va aller looter, on va aller... Ah, faut que j'avance. Je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas. On est d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi. Vous restez, il faut qu'on avance. Restez. On se fait une petite pause rapide de 5 minutes et juste après on continue sur subsistance. Je pense qu'on restera sur subsistance jusqu'à la fin du live. Et voilà. Vous inquiétez pas, j'oublie pas les autres jeux. Même si je les zappe un peu ce mois-ci, mais fin de mois, je les zapperai plus les autres jeux. Autre que subsistance, autre que ceux qu'on fait régulièrement, les 3-4 qu'on fait là en ce moment et qui nous font zapper un peu les autres. Enfin bref, vous barrez pas, rendez-vous dans 5 minutes. À tout de suite. Oui, si j'appuie pas sur la bonne touche, en fait, l'écran de pause ne se met pas. C'est normal. À tout de suite.